Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur plusieurs produits Raven. Alors comme vous le savez, je suis en partenariat avec Raven et en ce moment ils nous ont envoyé beaucoup de produits. Donc en fait on va commencer avec leur nouveau shampoing sec. Donc c'est un nouveau produit qui vient juste de sortir. Alors pour vous parler de ce shampoing sec, ses gros avantages c'est qu'il est pratique et facile d'utilisation avec sa paume qui fabrique une sorte de mousse qui est hyper onctueuse et qui sent super bon. Il suffit tout simplement de l'appliquer sur la robe, alors c'est beaucoup plus efficace sur les robes grises, donc tous les cheveux gris ou blancs, de frotter, d'attendre que ça agisse et que ça devienne sec et ensuite de brosser avec une brosse. Autre avantage, comme je l'ai dit, c'est un produit qui sent très bon parce qu'il est à base de bleuet et de je ne sais plus trop quel autre produit, mais ça sent vraiment très bon. Il a une très bonne efficacité sur les robes, alors moi j'ai eu du mal à le constater sur celui d'Azzaro, mais j'ai vu plusieurs vidéos sur des chevaux gris et il a une très bonne efficacité sur les chevaux gris qui ont des taches un peu jaunes. Donc avoir un concours ça peut être vraiment génial, surtout en hiver quand on a des chevaux qui vivent au pré, qui sont un peu beaux et qui ont des taches plutôt jaunes sur les robes grises. Avoir un concours ça peut être super top. Pour que le produit fonctionne, on n'a pas besoin de beaucoup de produits. Et ensuite dans les inconvénients j'ai trouvé que c'était assez long à sécher. Donc si vous ne voulez pas attendre beaucoup, je vous conseille de frotter avec une serviette propre là où vous avez appliqué le produit et normalement la tache partira. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment attendre que ça sèche, et ben c'est assez long à sécher, surtout en hiver. Et j'ai voulu essayer le produit sur l'écran et ça ne fonctionne pas du tout sur l'écran comme vous pouvez le voir sur Azzaro. Donc voilà, en résumé, c'est un très bon produit qui sent vraiment bon, qui est facile d'application. Et pour les chevaux gris avant un concours, ça peut être vraiment le top. Ensuite, le deuxième produit, donc c'est l'argile verte active Pediflex Plus. Alors, je n'ai malheureusement pas pu le tester sur Azzaro car Azzaro n'a pas du tout de problème de tendinite ou autre au niveau des membres. Parfois, chez Raven, en fait, quand on a un partenariat avec Raven, beaucoup sont en partenariat avec Raven et on ne choisit pas les produits qu'on veut recevoir. Donc là, j'ai reçu ce produit-là, mais je n'ai pas du tout pu le tester sur Azzaro parce qu'il n'a, comme je l'ai dit, aucun problème. Mais j'ai pu regarder un peu les commentaires et donner le produit à ma tante qui, elle, a son cheval qui a une grosse tendinite. Donc en résumé, dans ce que j'ai pu voir un peu partout, le produit fonctionne plutôt bien. Certains voient une réelle amélioration après avoir utilisé le produit. Le produit a une grosse odeur de menthe assez forte, ça vous allez le sentir directement quand vous allez ouvrir le produit. Vous allez constater une grosse odeur de menthe assez forte, ce qui permet de refroidir le membre. En fait, c'est une argile qui apaise les douleurs grâce à son action par le froid. Le pot est assez gros et l'argile est facile à appliquer et très facile à rincer. Donc voilà de ce que j'ai pu voir sur ce produit-là. Ensuite, pour le troisième produit, j'ai reçu le baume apaisant Kinésil. Donc comme le précédent, je n'ai pas pu le tester sur Azzaro parce qu'Azzaro n'a aucun souci dans ce domaine-là, encore une fois. Donc en résumé, c'est un baume décontractant et apaisant qui évite les désagréments provoqués par un effort physique sur un muscle non préparé ou fortement sollicité. Donc en gros, c'est un baume que l'on applique sur les muscles après un gros effort ou un très gros concours. J'ai regardé également les commentaires sur ce produit et plusieurs personnes ont l'air très satisfaites. Donc voilà. Après, malheureusement, je n'ai pas pu le tester, donc je ne peux pas vous dire réellement ce que j'en pense. Et ensuite, donc, le dernier produit que j'ai reçu, et là, ça a été vraiment top parce que j'ai vraiment pu le tester et là je vais vraiment pouvoir vous donner mon avis. Donc comme vous le savez, Azzaro a des problèmes de sabots, enfin pas des problèmes de sabots, mais ses sabots sont un petit peu compliqués. Il a des sabots qui se cassent très facilement et Azzaro a besoin d'un apport en biodine vraiment quotidiennement. Donc là ça a été le produit parfait pour vous le tester et pour vous en dire tout ce que j'en pense. Donc j'ai pu tester ce produit pendant à peu près 2 mois. Donc les avantages de ce produit, le pot est vraiment gros et il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un très gros avantage. Ensuite à l'intérieur il y a une petite dosette qui permet de doser la biodine que vous allez donner quotidiennement à votre cheval. J'ai pu constater qu'il avait une très forte efficacité. Je l'ai vu sur plusieurs commentaires et j'ai pu le constater moi-même qu'il avait une très forte efficacité, beaucoup plus forte que la biodine de chez Fuganza. Il ne faut vraiment pas en donner énormément pour constater les effets rapidement. Ensuite, en avantage, j'ai pu constater que le produit avait l'air plus naturel, si je peux dire ça comme ça, et plus sain que la biodine de chez Decathlon, car la biodine de chez Decathlon est de couleur rouge un peu chimique, on peut voir ça comme ça.
Et tandis que la biodine de chez Raven est vraiment verte, couleur un peu plus naturelle. Azzaro n'a pas eu de soucis pour la manger, donc je peux constater que les chevaux la mangent assez facilement et je n'ai pas vu de commentaires comme quoi les chevaux étaient plutôt réticents à le manger. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les images parlent d'elles-mêmes, les effets ont été merveilleux sur les sabots d'Azzaro. Il n'a plus du tout les pieds qui cassent. J'ai pu constater aussi qu'il avait moins la fourchette pourrie. Alors je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais j'ai pu constater qu'il avait la fourchette plus saine. Il avait des sabots plus forts, plus résistants, plus brillants et en meilleure santé. Donc voilà, je ne peux pas vous dire plus d'avantages sur ce produit-là. Je l'ai vraiment et sincèrement trouvé vraiment... Là, c'est vraiment pas pour vous vendre le produit, là, c'est vraiment pour vous dire réellement que ce produit est vraiment génial. Je l'ai trouvé vraiment top. Le seul petit inconvénient que je peux lui trouver, c'est son prix. Mais franchement, vu l'efficacité, vu la grandeur du pot, le prix n'est pas du tout abusé. Donc voilà pour la présentation des produits de chez Raven qu'on a reçus en ce moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!